Salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de notre chaîne Ocean's Crown. J'espère que vous allez bien. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai monté deux guitares électriques, une l'année dernière et une cette année aussi. Et si tu es nouveau dans la chaîne, tout ce contenu est disponible sur notre chaîne. Si tu es intéressé et motivé par monter ta propre guitare électrique, et peut-être tu peux apprendre quelque chose en me regardant. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses installées sur ces guitares électriques et sur les manches installées sur les guitares qui sont achetées sur AliExpress. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les manches, avec du recul dessus, ainsi que les pros et cons, les positifs et les négatifs que je trouve aujourd'hui sur les manches. Je vais vous donner les spécifications des manches et aussi je vais vous parler un petit peu de les prochains planning, les plans que j'ai pour ces manches dans les futurs. Alors j'ai pris un gros risque quand j'ai acheté les premiers manches sur AliExpress parce que ça venait d'être mis en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de avis dessus pour que je puisse savoir s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien de tout, c'était tout nouveau. Et du coup, je me suis vraiment plongé dedans et je me suis dit si c'est vraiment comme les photos, il n'y aura aucun problème. Du coup, à mesure que les jours passaient et j'attendais pour les manches, il y a quelqu'un qui a téléchargé une photo qu'il n'y avait aucun problème. Les manches, c'était vraiment comme les photos. J'avais très très hâte que ça arrive. Et finalement, le jour est arrivé et les manches sont arrivées chez moi. Et j'ai fait le déballage avec vous. Je l'ai fait dans une vidéo et vous pouvez voir cette vidéo dans notre chaîne aussi si vous êtes intéressé. J'ai fait le déballage avec vous et j'étais vraiment étonné, choqué de l'état des manches. Et la qualité, pour moi, il était super. C'était vraiment tout ce que je cherchais
dans un manche de guitare électrique. Ça veut dire que c'est un manche pour gaucher, plutôt la tête inversée à la Hendrix. Comme vous savez, moi j'aime beaucoup Jimi Hendrix et je voulais construire ma propre Jimi Hendrix guitare moi-même. Et c'est la seule que j'ai trouvée en ligne. C'est la seule vraiment sur AliExpress, sur Google. Quand je suis allé voir celle de chez Fender, hyper chère. Et du coup, vraiment celle-là pour les prix et pour ceux que j'ai cherché à une grosse tête style 70s, à 22 frettes et aussi l'érable qui c'était vraiment très très joli. J'étais vraiment content. Et du coup, je l'ai installé sur ma première guitare que j'ai là depuis 10 ans déjà. Quand j'ai décidé de monter une deuxième guitare, il y a un deuxième manche sur l'annonce que c'est les mêmes spécifications et tout que les premiers, juste que c'est en palissandre. Après, je sais pas si c'est du vrai palissandre vraiment parce que pour le prix. Et du coup, j'ai décidé d'acheter celle en palissandre pour la Chameleon, ma deuxième guitare. Du coup, et encore une fois, j'étais trop content du résultat et qu'il était très joli aussi. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de les spécifications des produits et je vais mettre l'image ici maintenant que ça va être l'enregistrement d'écran. Comme ça vous pouvez l'annoncer avec moi. Aussi je vais mettre le lien sur la description si vous voulez encore voir, mais restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo vraiment pour savoir les pros et cons, les positifs et les négatifs de ce manche. Alors le manche, c'est marqué que c'est du érable canadien et que c'est vraiment moins cher que l'érable russe. La touche, le radius de la touche, ils m'ont dit que c'est du 14. Du coup, c'est vraiment plat. Le manche d'origine de ma première guitare, c'était de 12. Du coup, ça fait pas une grosse différence pour moi. Moi, j'aime bien les touches vraiment plates. Les deux manches sont 22 frettes. Les deux manches sont pas vernis. Du coup, ça, c'est une chose à voir. Sont pas vernis, c'est un érable naturel. Et voilà, les trous pour les mécaniques, c'est 10 mm. Et là, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir les mesurements de manches au premier fret et au deuxième fret. Je le sens que c'est pas très très grosse comme manche. Le scié de tête c'est en 42 mm et ça c'est tout pour les spécifications. Alors maintenant on arrive à la partie importante du vidéo que c'est pour moi les positifs et les négatifs de ces manches aujourd'hui, maintenant que j'ai vraiment vu tout en détail. Et on va commencer par les positifs. Alors premier point positif et les plus importantes, je crois que parmi beaucoup de nous, entre nous, parce qu'on est des musiciens, et il y a peut-être des musiciens qui ne gagnent pas beaucoup avec sa musique, mais imagine tu veux monter une guitare, tu veux la monter déjà aujourd'hui, ça c'est une grosse option, c'est les prix. Les prix c'est à 60 €, et ça c'est je vous compte la livraison là, pour la France, moi je suis au centre Paris, du coup ça c'est 60 livré ici et tout compris. Voilà, les prix c'est vraiment vraiment attirable parce que des fois comme musicien guitariste on n'a pas toujours le budget. Du coup ça c'est un gros point positif, je crois que c'est le plus grand. Le deuxième point positif pour moi c'est les 22 frettes parce que moi j'aime 22 frettes sur mes guitares, et aussi dès qu'ils sont ils sont pour gaucher, ils sont une grosse tête style 70s. Et troisième point positif pour moi, c'est que ils sont pas vernis, les manches. Ça veut dire que tu peux soit vernir les devants, la touche et la tête de devant. Et le derrière, c'est vraiment satiné, ça colle pas. Du coup, c'est agréable à jouer. Et voilà, ça c'est les trois points positifs que je peux dire sur ces manches. Et maintenant, on va passer à les points négatifs. Alors, pour moi, les seuls points négatifs, vraiment, que ça on trouve vraiment des fois dans des guitares beaucoup, beaucoup plus chères, déjà des usines, mais on les trouve partout, c'est les frettes. Et les frettes ça, sur ces deux guitares, elles ne sont pas super. Ça, il faut le dire. Alors, dans la première, l'érable canadien naturel, les frettes, ils sont de les côtés, ils sont en train de se décoller. Et ça c'est vraiment pas cool. Et sur la deuxième manche, les palissandres, les frettes au milieu, ils sont un peu levés, décollés du coup.
Ils sont décollés de centre de fret, de la touche. Et voilà, ça c'est vraiment, vraiment pas cool pour moi. Je l'ai remarqué un mois après de les avoir avec moi. Et j'essayais un nivellement de fret, mais ça n'a pas aidé. Ça c'est le seul gros point négatif de ces deux manches. Le deuxième, ça serait si c'est pas vraiment du bon bois. Du coup, on ne sait pas si ça va être pareil d'ici à 300. Si j'ai encore les manches avec moi d'ici à 300, je vais faire une vidéo pour faire les reculs dessus. Pour le moment, tout est bien pour moi. Les bois, ça ressemble bien au moins. Pour moi, dans les doigts, ça se sent bien. Il y a la résonance, il y a la stabilité, je sais pas, il y a une bonne sensation dans les manches que je sais pas, je trouve dans des manches que j'ai jouées avant, que c'était un peu plus cher. Et du coup, ça, il faudra voir d'ici à quelques temps. Alors maintenant, je vais vous parler de mes plannings pour ces deux manches dans les futurs à venir. Et il n'y a qu'une option. Et je cite encore une autre avec la deuxième option, mais celle-là c'est juste pour la guitare avec les manches honorables canadiennes naturelles. Alors la seule option maintenant c'est d'aller chez un professionnel et lui demander c'est quoi le meilleur chemin à prendre. Peut-être il est expert en bois aussi, il connaît un peu sur le bois et je vais lui demander si c'est mieux de changer les manches ou de juste faire une planimétrie. Ou s'il y a un moyen de décoller les frettes et les recoller, ça serait nickel parce que pour moi les manches sont parfaites et je pourrais rester avec elles si les frettes ils sont bien quoi. Et les choses avec lesquelles je cite, c'est soit j'ai fait les mêmes choses, j'ai fait une planimétrie ou je récolle les frettes chez un professionnel toujours, ou soit j'achète un vrai manche Fender quoi. Un Fender style 70, je vais vous mettre une photo tout de suite pour que vous puissiez voir celle avec laquelle je cite. C'est un manche honorable rôti. Il est fait au Mexique. Je voudrais bien avoir un manche honorable rôti. Soit j'ai fait les planimétries pour les deux, ou soit j'achète juste celle-là, celle-ci, ce manche-ci. Et j'ai fait la planimétrie pour la Chameleon. Et du coup, je cite encore. Mais ça, il faut que les experts, les luthiers, me disent quoi faire. Quel chemin prendre, et voilà, je vous tenais au courant de tout ça. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Et n'hésite pas à me poser un commentaire si tu as des questions ou quoi que ce soit. Je suis ouvert dans les commentaires. Et voilà, ça c'était tout pour mon expérience avec ces manches sur l'Express. Vraiment, le prix est attirable pour nous comme musiciens qui on n'a pas toujours le budget. Et pour le moment, ça va, ça m'empêche pas de pas jouer, de rester comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et d'avoir la dépression et tout, et pas jouer la guitare, quoi. J'ai joué quand même mes guitares avec les frettes comme ça, et elles résonnent bien, et j'enregistre même avec elles. Ça n'empêche pas de jouer. Et à vous de voir si vous voulez un manche à la Hendrix. Celle-ci, vraiment, c'est le meilleur à avoir parce que j'ai cherché partout, partout, et c'est le seul que j'ai trouvé. Continuez à faire la musique que vous aimez, et on va se retrouver dans une autre vidéo de notre chaîne Ocean's Crown. À très bientôt.